Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est le 27 novembre. Il reste presque plus de nids de frelons. Beaucoup de nids de frelons à peu près à hauteur dans les arbres, hein, parce que les feuilles tombent. C'est les dernières interventions qu'on fait. Mais là, aujourd'hui, j'ai un nid à hauteur d'homme, même à ras du sol. Donc je vais vous montrer ça. Alors vous voyez cette plaque là? Là, dessous, il y a du frelon. Alors je ne sais pas s'il y a une grosse quantité de frelons ou pas, mais il y en a quelques-uns qui sortent. Donc il y a une plaque enlevée, une palette. Donc je vais regarder tout ça. Bon là, je ne vois pas que ça sort, mais tout à l'heure, ça sortait. Et pour ça, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tester une nouvelle tenue de frelon. Je l'avais déjà montré sur Instagram. C'est Jérémy Thomas qui a conçu cette tenue, qui m'a proposé de l'essayer. Donc je lui en ai acheté une et je lui ai promis que je ferai une vidéo. Donc si vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est un chasseur de frelons aussi. Donc il a créé une tenue par rapport à ce que lui pense quand il travaille. Allez, je vais me préparer, je vais vous montrer cette nouvelle tenue et je vous dis à de suite les amis. Bon, voilà la nouvelle petite tenue, plutôt sympathique. Bon, là il fait froid parce que c'est une tenue aérée, donc pour l'été il paraît que ça sera pas mal. Donc vivement que je l'essaye en pleine chaleur. Bon, là il fait un peu froid, donc je garde le pull, mais on va tester cette petite tenue de Jérémy. Allez. Un petit coup de main à prendre, hein. Donc elle est quand même plutôt bien pensée, avec des scratchs un peu partout, des fermetures éclair aussi. J'espère que vous voyez bien. Alors, vous allez voir que sur cette tenue, il n'y a pas de vitre comme sur les tenues Edialux. Donc il faut mettre des lunettes qui sont fournies avec la combinaison. Il y a un petit masque aussi, mais moi je ne le mets pas, sinon je ne pourrais pas vous parler. Pas besoin de casque non plus. Donc il faut quand même faire attention quand on va dans des combles, parce que le casque, je trouve quand même, c'est important. Donc on peut mettre un casque soi-même, hein, dessous, il y a la place. Hein. C'est vrai que sur la tenue Edialux, il y a automatiquement. Donc quand on est dans des combles, c'est quand même pas mal d'avoir un casque. Mais il y a quand même des barres de renfort. Hein, donc, vous voyez, je suis beau. Donc maintenant, on va mettre les gants. Fournis avec, bien sûr. Hein. Il faut avouer qu'ils sont moins pratiques à mettre que ceux des Edialux. Mais c'est un coup de main à prendre. Bien entendu, l'été prochain, il y aura le logo des frelons, hein, sur les poches. Donc déjà, vous avez vu, il y a des poches. Ça, c'est quelque chose de bien. Pour mettre des outils, voyez, hop. Ça, c'est bien pensé. Ça, Edialux n'y pense pas, parce qu'ils sont pas sur le terrain. Allez. Allez, c'est parti pour le combat. C'est un combat pour toi, Jérémy. Allez, la plaque est là. On va essayer de poser la GoPro. Et le temps de lever la plaque.
l'instant, toujours rien. Mais on voit un petit trou ici. Et on voit quelques frelons sortir. À mon avis, le nid est sous. Ah, ça sort. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre. Bon petit bébé. Allez, on va le traiter. Une belle attaque. Bon, la tenue a l'air de bien marcher pour l'instant. Bon, je vous avoue que j'ai reçu du venin dans la bouche. Allez, on va essayer d'ouvrir le nid un petit peu. Une belle petite attaque. Donc le plus important aussi, c'est là, comme on a traité le nid, il va falloir tout remettre en place pour que les frelons ne perdent pas leur habitude où était leur nid. Et normalement, pour le client, dans 15 jours, je lui enlèverai parce qu'il doit faire des travaux et qu'il a un peu peur. Bon, ça tourne un peu partout là. On va tout remettre. Vous voyez, ça sort. Hein. Un joli petit nid quand même. On va pouvoir quand même laisser un espace pour qu'ils rentrent dans leur nid et remettre la palette. Allez, je repose ça. Le temps de tout remettre. Allez, je vais vous montrer un truc qui est très important. Regardez-moi. Vous voyez les frelons? Les frelons reviennent dans leur nid. On les voit marcher. Ils vont revenir petit à petit. Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Allez, on va juste mettre un peu de poudre sur leur chemin pour que ça meure un peu plus rapidement. Voilà. Bon. Le bilan de la tenue, elle est pas mal. On est bien là. On n'a pas de buée. Ça c'est sûr, c'est pas mal. Pour les nids en hauteur, on a une vision plutôt sympathique. Même sur les côtés. Voilà, bon, moi j'aime bien. C'est un bon complément de la tenue Dialux. La tenue Dialux, elle est pas mal aussi. Les deux sont très bien. Moi, j'en ai trois. Deux Dialux et puis celle de Jérémy. Et bien, on va faire ça pour la saison prochaine. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt les Dédés. Oh, 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 oh.